dépression. La vie, c'est la famille. La guerre, c'est la famille. Merci. Tiens. Soyez sereins, chère population guinéenne. C'est Dieu a dit ça dans le Coran, que c'est une épreuve de Dieu de nous faire perdre de foi. Donc cette perte-là doit renforcer notre foi en Dieu, notre unité nationale et notre bonne collaboration avec le gouvernement pour que la Guinée reste et demeure un pays stable et prospère. Nous sommes tous victimes. On est dans une situation dans laquelle on s'est retrouvé à partir de erreurs qui a plongé le peuple de Guinée en astier dans un souci dont le premier président lui-même il est sur pied depuis minuit. Donc aujourd'hui, chacun a le souci de comment éteindre le feu et pour le moment on est en train de maîtriser le feu. Et après, la suite, on verra. Nous sommes sur ça. Votre gouverneur. Ces équipes sont allées pour l'évaluation. Oui, oui, oui. Ils sont en train de travailler. Oui, oui. Et ça, cette équipe-là va être déployée. Cette équipe-là, on déploie déjà la tente de Baïssa. Parce qu'on a appris qu'il y a des gens qui ont fui les. Voilà, donc il faut coordonner. Il y a l'association du Lions Club aussi qui est là. Okay. Vous avez une autre association qui est au niveau de Faïssa, de jeunes qui se sont spontanément mobilisés aussi. On va avoir des actions coordonnées. Pour ne pas que chacun puisse faire son petit chapiteau comme ça, c'est une seule chaîne de solidarité. Hein? C'est ça. Le patron. On va se mettre ensemble. Ouais. D'accord. Hein? Plus on est comme ça, ce serait efficace. S'appelle Madame Sano. Donc je vous donne son numéro. Le gouvernement dispose de ton gouvernement à la cour.